méditation, recueil et abandon. Installé sur ton coussin de méditation ou sur une chaise, les pieds légèrement écartés et posés bien à plat sur le sol si tu es assis sur une chaise. Le dos droit est détendu. Le menton légèrement rentré pour permettre de détendre la nuque. Les mains, paumes l'une contre l'autre à hauteur du cœur, épaules détendues, légèrement tirées en arrière, coudes écartés, bras détendus, les yeux clos. Prends quelques respirations profondes pour te rendre disponible à ta méditation. Autorise les soupirs, les bâillements. Et amène ta conscience sur le rythme de ton souffle. Observe-le sans chercher à le changer. Accueille-le tel qu'il est en ce moment. Et relâche. Détends les mâchoires, les ailes du nez, la base des oreilles, la nuque. Et relâche. Déplisse le pourtour des yeux. Le front. Et relâche. Puis amène ta conscience dans tes mains. Sens la chaleur se répandre et envahir tout ton être. Relâche ton ventre. Et sans quitter la présence de ta conscience dans tes mains, écarte-les lentement, doucement. Ouvre tes bras largement. Et monte tes coudes à hauteur des épaules. Tes bras forment comme un chandelier. Tes mains sont détendues. Tes bras sans poids.
Imagine que tes doigts sont reliés à des fils invisibles, tenus par la main de Dieu. Te libérant ainsi de tout effort, de toute crispation. Laisse ton souffle absolument libre. Relâche toute tension. Garde tes bras ouverts et détends. Prends conscience. Et accueille les dons divins qui se déversent et te pénètrent, telle une douche salvatrice. Revivifiant ton être. Te rendant vie à la force divine. Deviens le recueil vivant de la miséricorde divine. Accepte la richesse et la grandeur de ce qui t'est offert. Sans chercher à te dérober, ne baisse pas les bras. Ouvre-les plus largement encore, ou s'ils deviennent trop lourds, monte-les plus haut, lentement, vers Dieu. Comme un enfant qui tendrait ses bras vers sa mère ou son père. Et relâche toute tension, toute crispation, toute lutte. Garde ton ventre ouvert et disponible. Et reçois l'abondance des dons divins. Simplement. Parce qu'ils te sont destinés. Pour servir la perfection du plan divin.
ne refuse rien. Prends juste la position de tes bras. Que tu puisses être sans lutte, détendu. Laisse-toi traverser. Nourrir, désaltérer, et abandonne-toi totalement à la volonté divine. Mesure par cette expérience le sens profond de renoncer à toute possession pour soi-même. Le sens profond d'accepter le dépouillement du tout égoïsme. De tout attachement. L'expérience d'être soumis à la volonté divine. Confiant. Priant. Gratifiant et remerciant Dieu de ses dons. Garde encore tes bras ouverts. Monte-les si besoin. Et détends. Accueille. Abandonne toute lutte. Respire, relâche, détends tes épaules, et doucement,
lentement. Ramène tes mains l'une contre l'autre à hauteur du cœur. Détends tes épaules. Incline ta tête en signe de profond recueillement. Et gratifie Dieu de ses bienfaits. Ressens ce qui se passe en toi. Laisse s'écouler le flot d'amour divin à travers toi. Conscient que tu ne peux le retenir. Puis écarte tes mains et tourne-les paume vers le sol, de telle manière à restituer le flot. Prends conscience que toute action que tu poses est empreinte de cet amour divin. Que toute parole prononcée est issue de ce flot d'amour divin. Prends conscience que tu ne possèdes rien pour toi-même. Que tu es au service de la perfection du plan divin. Prends conscience que plus tu laisses s'écouler ce flot d'amour, plus tu le ressens, plus tu le reçois. Plus tu es transformé par lui. Abandonne-toi. Deviens conscient
de ce qui se passe dans ton cœur. De la grandeur de ce qui le traverse. Et gratifié en silence. Puis prends quelques respirations profondes pour terminer ta méditation et revenir à tes activités quotidiennes.